another world. And come back to you. Écoute, très bien, c'est un rallye que j'aime bien parce que c'est un rallye assez rapide, dommage qu'il y ait la pluie. Bon, ce matin on a pris un peu nos marques, là, on a fait un premier passage dans les deux spéciales, mais bon, on est resté un petit peu dedans pour prendre un peu nos marques parce que je ne connais pas du tout le rallye. De ce matin, bah, pas terrible. On est venu pour régler la voiture et on pensait pas avoir des conditions pourries, donc on n'est pas très en confiance avec la voiture. On n'arrive pas à trouver le bon feeling. Si on est conduit trop sur le train avant, la voiture elle s'ouvre. Si on essaye d'enrouler plus, c'est l'arrière qui dégage, donc ouais. C'est un peu difficile. Les deux premières spéciales de ce matin, ouais, bah, très bien, même étonné, parce qu'on fait deux deuxième temps scratch, je dirais Air Fanguer, qui est une référence dans le rallye. Après, bon, il y a des conditions quand même particulières, avec des grosses autos, ça va être pas évident à conduire. Ouais, moi, j'aime bien ces conditions un peu gras, je connais très bien la route aussi, il faut le dire, parce que je suis quand même chez moi. Ouais. Mais bon, on se fait plaisir, nouveau copilote, première fois que je roule avec quelqu'un de différent que de Benjamin, donc il faut tout mettre en place. Après, bon, on roule quand même assez vite, on n'en perd pas trop, donc ouais. Voilà, on est deuxième à 3 secondes 6, on va partir pour le deuxième tour, on ne va pas faire plus. Tu vois, ça passe à fond. Oh ben, pour être honnête, gentiment, on est parti sur un petit rythme dans le sens où je suis pas vraiment, on va dire, affûté, j'ai pas roulé de pilote drôle l'année dernière, donc il faut le temps de se remettre en marche et tout. Donc on n'a pas fait d'erreur dans les choix de pneus, même si la deuxième, on aurait peut-être pu partir avec un pneu, on va dire, sec. Enfin bon, dans l'ensemble, c'était, je pense, un bon choix, puis tout le monde a fait ce choix, donc il n'y a rien à mettre sur les pneus. Et puis en termes de conditions, on a roulé pas très vite dans la deuxième, donc disons que si j'arrive à me mettre dans le bain et à reprendre de la vitesse, ça devrait bien se passer. Là, t'es combien ?